Nous, on a récupéré ce qu'on devait récupérer chez Antoine Imricière. D'ailleurs, t'as vu, ça a un peu pris l'eau dans le boxer. Bon, c'est des panneaux solaires, c'est pas faux. Hein. Ouais. Donc, station d'énergie, panneaux solaires. Bon, bref, vous verrez tout ça dans les vidéos partenariats. Et j'ai reçu aussi deux batteries Redodo. Ah, je peux essouffler parce qu'elles font 30 kg chacune, les trucs. Et 12 volts en 300 ampères. Donc, moi, je vais les mettre en 24 volts. Et du coup, je vais changer mes batteries qui seront là. Je vais voir ce que je fais de mes batteries là. Je vais peut-être les revendre pas cher si ça intéresse quelqu'un. C'est des 12 volts en 100 ampères. En gel, je sais pas quoi, là. Bon, on verra, bon, bref. On verra au moment où on va installer tout ça. Bon, nous, du coup, on a récupéré ce qu'on devait récupérer. On va pouvoir bouger. On va pouvoir bouger parce que demain matin, on a rendez-vous à 9h du mat pour faire stériliser Aura. Et en même temps, vaccin, puis tout ça. Donc, comme on a rendez-vous à 9h du mat, on va dormir quasiment sur le... Il y a un Carrefour Market en face, le Veto, on va dormir là. Ça, au moins, demain matin, bon, on a juste à l'emmener à pied, quoi. Voilà, voilà. Allez. Satisfaisant. On va bouger, ouais. Touche. Non, j'ai pas envie. Ouais, bah, c'est pas ta modelée, quoi. Ouais, puis non, elle est pas. Non, je trouve pas qu'elle est super satisfaisante. Ah si. Oh. Allez, on y va. Putain, j'ai acheté un Action, là, soit le chargeur comme ça, là, 65 watts. Bon, ça, moi j'ai regardé, j'ai vérifié, ça charge à 40 watts. Mais par contre, qu'est-ce que ça charge vite quand même? C'est un délire. J'ai acheté ça 5 balles aussi, chargeur induction. Ce montel, il fait induction, mais en fait, ça, c'est chiant parce que on ça. A débranché très tôt, il faut retirer la coque et tout, sinon c'est chiant. Débrancher quoi? Bah, t'as dit à malicieux. Mais non, mais la bus n'était pas branchée. Oui, mais j'aurais branché sur une rallonge. Ah. Non, mais c'est pas grave. Parce que ça prend beaucoup de. C'est une plastifieuse. Ah, eh ben, ah ouais, bon, c'est pas grave. Bah, pourquoi elle branche pas? Allez, on reprend la route de Donfront et on va aller se poser, bah, où je vous ai dit, hein, Carrefour Market. Juste en face le Veto, il sera très bien pour demain. Oh, regardez ma chérie, elle fait les choses bien, hein. 4 petites vis et puis on peut retirer tout le coffre pour nos appareils électriques derrière. Donc du coup, parce que je prends les références pour quand je vais mettre les batteries au dodo là. Donc c'est le multipus compact. Ok, comme ça je vais voir s'il est compatible pour les batteries lithium, comme il fait chargeur. Je pense que oui. Ça, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça, ça a aucune incidence. Quoique si, ça repart aux batteries. Ah ouais? Ouais. Bah si, c'est, je pense que c'est compatible. Bon bref, je vais me renseigner. Du coup, voilà notre super spot pour ce soir. On a quand même un peu de verdure ici. Hein. Là, il y a le Carrefour Market. Là, il y a la Tessie, t'as vu. Et nous, on est juste là. Pour ce soir, ce sera très bien. Au moins, je suis à 10 minutes à pied, même pas 10 minutes, 5 minutes à pied du vétérinaire. Quand c'est tôt le matin comme ça, oui, parce que pour nous, c'est tôt le matin, 9h. Oui, oui. Bon, ouais, ça va le faire. Ça va être young. Bon, bah, du coup, on en profite pour aller voir les poubelles, hein, comme on est garé devant le Carrefour Market. Hein. Fermé. Ouais, il y a des œufs, des bananes. Ouais, c'est de la crème, je sais pas quoi. Oui, non, mais là, c'est un délire. Regardez. Regardez la poubelle. Truc de ouf. C'est blindé, blindé de chez blindé. On va pas tout prendre parce que déjà on n'a pas besoin de tout. Truc du monde. Aura, viens par là. La lumière. Elle... La compote et tout prend. Hein. Bah oui. Jus de fruits. Les huîtres. Crème fraîche, tout quoi. Enfin tout ce qu'on va manger. Dedans, ou pas ça va être chaud. Non, on va la sortir. Attends, on va la sortir puis on va l'incliner. Ah, il y a du jus. Regardez les gars, c'est blindé d'huîtres. Les huîtres à la poubelle. Il y en a plein, des huîtres partout. Yaourt, 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 du saumon, pavé de saumon, prends-en un au cas où, quand même. Taboulé, il y en a plein. Ces bouteilles-là, il y en a à gogo aussi. Il y en a des jus, pommes et fruits rouges, ça, je suis sûr, c'est bon. Hein. Bah, prends-en, hein, ça se garde en plus. Hein. Mais si. Ouais. Bah, au pire, on reviendra, sinon. Et après, voilà. Oh, on... Les salades là-bas. Non, 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 les salades, non. C'est bon. Wouah. Ça c'est quoi ça? Tiens, encore de la mozzarella. Voilà, des yaourts, des yaourts, des yaourts, il y en a à l'appel. Bon, on va pas tout prendre, ça sert à rien de prendre pour prendre. Hein. On a déjà pris plein là, regardez déjà tout ce qu'on a pris là. Attends. On a déjà pris tout ça. Il y a des rillettes. Un petit chèvre, un mini chèvre. Des yaourts comme ça. Ouais, des œufs, il y a plein d'œufs. Alors là, les jus, il y en a plein, 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 les yaourts.
petits trucs comme ça là, ça c'est bien ça pour mettre dans les pâtes, petit carpaccio ou à boire frais, des œufs. Et regardez les œufs, je sais pas pourquoi ils sont jetés, ils sont nickel. Bon, bref. Il est un peu fissuré, mais bon, ça c'est pas grave. Bon, allez, mets tout dans le sac si tu peux. Je pense pas qu'on va pouvoir. Ah oui, parce qu'il y a encore dans le sac. Ah, sinon, on va vider et puis prendre un autre sac. Sinon, je vais prendre un carton. Bon, du coup, je vous raconte même pas la récup de malade. Hein. Oh, des œufs. Oh, vous avez vu, de toute façon. Ça, c'est bon en plus, ça, c'est. Pommes et fruits rouges. Yaourt, j'ai pas pris trop parce qu'après, on les mange pas. Enfin, on n'est pas assez nombreux pour les manger. Donc voilà, il y en a gogo, il y a encore un autre carton en dessous. En même temps, ça perd super longtemps. De quoi? Les yaourts? Ouais. Ouais, mais t'as vu combien de temps on les garde dans le frigo pendant une sac complet là. Et ça ouais, bah là, ça c'est à rincer, c'est le jambon et jambon cru là, mais ça, attends, on va pas jeter ça quoi. Ou même au pire pour les chiens, mais. Bon bah écoute, on va pas faire de course cette semaine. Hein. Mm-hmm. Bon allez, du coup, nous on se met dans notre petit film, enfin la suite de notre film, du coup. Bon, on se met sur le téléphone parce qu'on n'a pas trop d'élec. Notre petite lumière bougie. Et on regarde la suite. Bon, finalement, on s'est mis sur la tablette, c'est mieux. L'armistice, un peu plus grand. Et le pire, c'est que cette tablette, elle a une batterie de ouf, quoi. Elle tient super longtemps. Explicitement. Tablette ou quitter le partenariat, mais franchement, elle marche bien. Bon, 8h35, café. Oh, le Gaulois se lève pas ce temps-là, normalement. Oh. Bon, on va emmener au rat pour sa stérilisation. Bon, allez, on est parti. Sous la pluie. Renard. Allez, le veto, il est juste là-bas. Pas loin. Punaise, il pleut, j'ai 12 minutes d'avance. C'est fermé. J'ai un rendez-vous à 9h, il est moins. Il est 48. Schmirt. Bon bah ça y est, hein, j'ai laissé mon petit toutou. Hein. Bon, ah, ça va bien se passer. Du coup on revient à 17h15, on va chercher. Bon allez, laverie finie, vidéo finie. Enfin finie, pas vraiment finie, mais bon. Vidéo de partenariat finie. On va aller récupérer la petite Aura. Ah oui. Hein. On a rendez-vous, là il est 5h moins 5. On a rendez-vous à 17h15. On est juste à côté. Hein. Pourquoi je repars par là? Ah si, je peux. On va repartir par là. Allez, la vie est finie, tout est fini. On est tranquille. Allez, on va aller récupérer Aura. On va aller faire les vaccins d'Iris en même temps. Comme ça, les deux chiens auront leur vaccin tout en même temps. C'est plus simple. Allez, c'est parti. Allez, la grosse. Bonjour, ma fille. Eh? Oh ouais, dans le coltard. Elle est dans le coltard. Hein. Movie. Elle marche un peu de travers. Bon, on va finir les chiots. Hein. Avec regret, mais bon. Allez, comme ça, au moins, on n'aura pas besoin de la surveiller. Bon, alors, avec les vaccins d'Aura, Iris, tout est à jour. Les vermifuges, la stérilisation, 353 euros dans la goule. Allez, bim. Et bon, c'est comme ça les bêtes. Hein. Ça coûte des sous les bêtes. Alors, regardez-moi ce bijou, un ZX7R. Elle est magnifique. Oh là 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 là. Ligne Yosh. Un vrai bijou. Oh, elles sont vraiment belles les motos d'avant quand même. Bon allez, ce soir du coup on se fait la récup. Donc les plats qu'il y avait à la récup là. Ah non, ça c'est pas un truc de la récup ça. Non, ça c'est les pommes de terre qu'on a fait hier avec voilà. Malicia et Antoine. Ouais, ça c'est la récup. Pâtes, fromage, je sais pas quoi. Et on regarde, il faut sauver le soldat Ryan. Ouais. Jojo il s'est pris une soupe tomate, je sais pas quoi, carpaccio là. Normalement c'est froid, mais bon. Ça se mange. Ça, t'as goûté déjà? Oui, ça, même la truc là, je crois qu'elle est de récup. Hein. Ouais, la crème fraîche aussi, ouais. La bonne petite récup. Je peux prendre des saucisses? Bon, apparemment, les gratins de pâtes de la récup sont délicieuses. Ouais, super bon. Bon, pour tous ceux qui ont bien aimé le film Soldat Ryan, hein. Allez, c'est parti. Non, c'est bon. Qu'est-ce que t'as couiné, toi, là? Bon, on a un problème avec ce spot. Aïe, tu me fais mal.
Hier, j'ai pas filmé, mais je suis allé la promener à la sortir pour son pipi caca, comme elle était toute la journée au véto. Et en fait, elle a bugué, elle voulait pas sortir. J'ai dû la porter du bus pour la faire descendre du bus. Et une fois descendue, elle s'est barrée et elle voulait plus revenir. Et en fait, c'est le spot où elle s'était pris la clôture des vaches derrière là. Et elle avait laisse tomber, elle avait couiné pendant au moins 5 minutes. Elle était venue ici là, elle s'était mis là et elle voulait plus bouger d'ici. Donc est-ce qu'elle reconnaît pas que c'était là et que ça l'a fait flipper parce que là est trop bizarre. Et dehors, je vous jure là hier, arrête Iris, après on va me dire encore que t'as des vers alors que t'as pas de vers. Tiens d'ailleurs, je vais redonner le vermifuge tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Mince, je sais plus. Ouais, d'ailleurs hier, j'ai dû elle voulait plus m'écouter pour revenir. J'ai dû lui donner une j'ai dû prendre un morceau de banderole de travaux comme laisse pour la ramener quoi. Ah, elle est tombée. Regardez là, je vais essayer de la faire sortir, vous allez voir, elle va pas vouloir sortir. Hop. Allez, on sort. Vous allez voir. Bonjour mademoiselle. Allez. Bon là, elle va me faire mentir, tu vois. Ah non, regarde. Oh la grosse, elle sort, on s'en fout. Allez, on y va. Allez. Allez. Viens faire pipi là. Allez, on y va. Allez. Et je vous jure, je crois qu'elle reconnaît que c'est là où elle s'est pris la décharge. Ah ouais, je pense. Bah, de toute façon, on verra. De toute façon, faut pas qu'elle nous fasse ça sur tous les spots, hein, sinon, y aller. Non, mais c'est sûr que moi, je suis quasi sûr. Tu sais, les clôtures, comme je t'ai dit hier, les clôtures, elles font un petit bruit. Hein. Nous, on les entend, donc eux, ils les entendent. Ouais, puis il y a le bruit. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre au téléphone. Attendez, je me tais deux secondes. Attends. Je sais pas si vous entendez la soufflerie, là, de. Oui, mais ça lui permet de reconnaître le lieu, chérie. Oui, d'accord. C'est ça que je veux dire. Non, mais moi, je pense qu'elle entend la clôture. Oh, il fait bon aujourd'hui, il fait doux. Bon, il fait gris par contre. Ah, pour recharger les panneaux, enfin les batteries, c'est un peu short en ce moment. Ah, faut que je monte les rideaux d'eau là. Rideaux d'eau. Ah oui, j'ai reçu aussi une station d'énergie là, si vous êtes intéressé. C'est une 2400 watts avec les panneaux solaires. Si jamais vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message sur Messenger à Gaulois Nomade comme d'habitude. Oui, bah tu m'énerves, toi, tu m'énerves. Je vais quand même pas devoir démarrer le bus pour aller me garer au parking là-bas, quand même. T'es galère, hein. T'es relou. Hein. Bon, en même temps, il n'y a rien dehors, je crois. Bah non, au pire, je crois qu'on va aller là-bas, parce qu'elle est trop relou, là. Bon, bah du coup, j'ai déplacé le bus. Même pas pris mon café, rien. Bon. Et voilà, et madame, elle veut bien sortir. De ouf, quand même. Ah, mais non, elle t'a traumatisé, cette clôture. Oh là 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 là, sale bête, là. Allez, café! Ah ouais, on peut prendre son café maintenant que la relou elle a plus peur de sortir. Hein? Oh là là. Allez, on reprend la route. On va aller direction Domfront parce que Mano, on l'a eu au téléphone, il lui manque un papier pour son auto. Pour je sais plus quoi faire. Ah oui, pour son assurance, il a besoin d'un papier pour son permis, je sais pas quoi. De l'auto-école. Alors, monsieur Mano, au lieu d'appeler l'auto-école et qu'elle lui envoie par courrier, bon, on est à 10 bornes de Domfront et ça nous fait pas un gros détour, on va aller voir des miniatures de train. On a trouvé ça à faire dans le coin. On va aller se faire ça. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez, en fait, le problème de ces petites routes-là, là, il fait faire presque 50 bornes que de petites routes comme ça. Le problème c'est que dès qu'on se croise, en fait il faut mordre un peu le talus sur le côté droit là. Comme les talus en ce moment ils sont gras de ouf, bah, en poids lourd c'est dangereux. Faut faire gaffe parce que t'as vite fait d'être emmené dans le talus, de glisser, de déraper quoi. Donc, ces routes là sont fatigantes en poids lourd. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de poids lourd dessus. Hein. Bon allez, un petit coup d'apéro pour Obélix, hein, un petit coup de carburant. Elle est trouvée à 1,51 là, Leclerc. Je sais pas si c'est prix coûtant, mais 1,51, ça va. Hein. Ça va, c'est toujours cher, hein, mais bon. Ah, il y a une borne R2 camping-car, j'ai même pas vu. Ouais, non, c'est ralentisseur, je pense. Allez, c'est reparti. Il nous reste 10 bornes, je crois. Ah, on a encore des...
On a encore des fans d'Obélix. Allez, on arrive à Condé-sur-Noireau. Bonus de ville, Condé-sur-Noireau. On a bien dû déjà y passer, je pense. Oh, il y avait plein de belles citrouilles à vendre. Ah, oh, il y a des Halloweeniens qui passent. C'est aujourd'hui? Je sais pas, il y avait des gamins déguisés en Halloween. Non, ça a l'air une famille. Allez, voilà. Donc là, Condé-sur-Noireau et après on va à Clécy. Non, mais ça doit être... Bon, bah, Obélix à 25, hein, comme d'hab. Hein. La côte de Condé-sur-Noireau, ça lui plaît pas. Hein. La côte de Flipou. Allez, Obélix, courage. Petite chapelle là, bon, bah, à cette vitesse là on a le temps de l'observer, hein. Elle est belle. Allez, du coup bah, il n'y a pas grand monde, hein. On est parti pour la visite donc du, comment ça s'appelle, miniature de... un moment de détente magique, une maquette de 310 m², des espaces ludiques. L'une des plus grandes installations de chemin de fer miniature d'Europe. Est-ce que c'est bon, maman? Allez, on va aller voir ça. Maman. Allez, l'entrée est jolie avec belle petite maison décorée. Maman, elle est belle. Ouais, t'as vu le blason sur le toit là? Ah non, c'est pas sur le toit, c'est un mur. Oui. Je crois que c'était le toit de la maison. Moi aussi, j'ai fait que ça. Ouais, ça faisait un effet d'optique. Joli. La légende de Guillaume Tell. Bon allez, on est parti pour la visite du coup. Donc là, alors c'est les anciens fours à chaud, tu vois, on ne savait pas. Les anciens fours à chaud. C'est mignon, les petites maquettes partout. Et il y a une petite vidéo de présentation. On va aller voir de ce pas. Ah, les anciens. C'est quand Halloween d'ailleurs, du coup? Le 31 octobre. Quoi? Ouais. Généralement poudreuse et de couleur blanche. Elle est connue depuis l'Antiquité. La chaux est l'objet de nombreuses applications. Ouais. Les bâtiments. Ouais, bon, on connaît, hein, la chaux. Non, mais je disais oui, pour les gamins. Dis donc, il y en a de la bouteille de cidre là. Oh là là. Oui. L'exploitation a été abandonnée en 1920. Une petite vidéo qui explique toute l'histoire du site. Sympa. Ça, c'est sympa à savoir comment on obtient de la chaux. La chaux, c'est quoi exactement? Tout le monde connaît la chaux. On fait des enduits, tout ça avec là. Ah, regardez. La chaux est obtenue en chauffant le calcaire à une température avoisinant les 1000 degrés. Sous l'effet de la cuisson, le gaz carbonique de la pierre à chaux disparaît du calcaire qui se transforme en oxyde de calcium et CO2, chaux vive. Au cours de cette opération, la pierre calcaire perd environ 50% de son poids tout en gardant son volume d'origine. En gros, on l'obtient en chauffant le calcaire à plus de 1000 degrés. Voilà, et on récupère la chaux. En gros, ouais, c'est le four à chaux. C'est les fours à chaud. Donc tu vois, maintenant quand on verra les fours à chaud, on sait ce que c'est. On saura ce que c'est. Papa, il y a un truc chelou dans la maquette. Attends, je regarde vite fait qu'il y a un mortier frais. Ouais, ça c'est un peu chaud, le truc, ouais. Il y a un gars qui demande une fille en mariage dans des toilettes. Ah bon? C'est vrai. C'était pas des fours à chaud, sur le spot ou... Je sais plus si c'était des fours à chaud. Bon alors apparemment c'est une passion de famille, hein, de père en fils, hein. Parce que là dans la petite vidéo ils expliquaient bien que c'est son père qui a tout mis en place et après il s'est associé à lui pour augmenter la taille de la... Bah sûrement ce qu'on va voir là-bas je pense. Ouais, le petit train, cool. Tu sais que j'en avais moi petit. Il a demandé au mariage dans les toilettes. Ah ouais. Vous avez repéré que ça vous? Bah non, pas que... Bah on suivait le train là, de là, et on a vu ça.
pas mal la petite. Mais ouais, je sais pas encore. Attendez, avec mon super zoom, on va voir ce que c'est. Ah, c'est quoi? Pétale de fleurs. Voyons, c'est un pétale vicieux, ça. Bon, c'était pour conduire un train, ça, ou quoi? Punaise. Ouais, c'était pour conduire un train. Elle touche pas. Ouais. L'inspecteur Gadget. Là-bas, il y a un tuk-tuk là. Ouais. Ouais. Voilà, un petit hommage à son papa. Fondateur du musée du chemin de fer miniature. Ah oui, en 93. Ah, dis donc, sacré boulot. Hein. Là-dessus, hein. T'imagines, t'as ça pour jouer, jauge. Oh là là, regardez, 310 mètres carrés de maquette miniature. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, le travail. Sûr bon, après le monsieur, ah ouais. Il y a plein de trucs qu'il va nous montrer. Il y a la camionnette de gaz. Il y a la maison aussi. Après, il va nous expliquer du coup. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'il va nous montrer qu'on aura même. Sympa. Hein. Là, ça va être dur à faire même le tour. Hein. Regardez, jusqu'à là-bas. Jusqu'au décor sur le mur, hein. C'est sympa, j'aime bien. Je pense que c'est joli. Bien fait. Ah, je peux pas tout vous filmer, ça va être trop long. Magnifique. Ça, je connais. Et un monsieur qui est tombé à l'eau avec son camping-car dans le canal. Vous voyez là-bas au coin? Oui. Ça, là, on a passé la fin. On a déjà fait le fossé, mais pas encore ça. Ah, pas une petite patinoire. Les petits patinoires, les petits poteaux là devant, on pourrait les faire bouger aussi avec les boutons en appuyant. Là. Juste à gauche, là, en haut du poteau, il y a une petite cigogne. Hein. Vous pourrait faire tourner l'œil, cette cigogne. Pour la faire tourner. Regardez, monsieur nous disait qu'il y avait vieux serviettes. Les bleus. Ouais, je les ai bien là. Il y en a un rouge. Là, il y en a un autre là, voilà. Bon, attention, tout qui va se mettre en route là. Tiens, regarde le train là. Regarde. Le train qui vient de partir. Là-haut. Lily, elle peut allumer la cabine, regardez. Ouais. Hey, y a vous vous rendez compte le nombre de lumières, de trucs, de travail qu'il y a. Il y a le bruit du téléphone. Ouais, ah oui. Vous vous rendez compte la fête foraine, tout rouge. Ouais, presque un vrai lieu. Là. Regardez avec le bouton, Lily a fait le petit bûcheron. Regardez, c'est là. Vous vous rendez compte la taille? Regardez, c'est en minus. Hein. Là, il y a même le soudeur, vous avez vu? Il fait de la soudure dans le bâtiment, ça c'est clair. C'est long. Il y a même l'hélicoptère, regardez. Regardez Jojo, il va allumer la petite soucoupe volante et tout là-bas. Allez. Allez. Ouais. C'est la denrée. T'as regardé de nuit comme c'est beau. Prends compte le nombre de lumières. Magnifique. Quoi? Quoi? Attends Jojo. Super beau. La maquette elle est éclairée jusqu'à là-bas. Super beau. Regardez le détail. Chaque lampadaire a sa diode. Je sais pas si on va voir. Ouais, vous voyez. Chaque lampadaire a sa diode. Impressionnant. Hein.
Regardez la piscine. C'est magnifique. Regardez le train. On va voir l'intérieur. Petit chalet, station de ski. Même une vidéo sur le cinéma de plein air. Au cinéma de plein air. Il y a la Carlouche, mon cousin. Ouais, petite Carlouche, mon cousin. L'air de camping-car. Alors, regardez, vous avez aussi le bouton pour faire ouvrir la porte des toilettes là. Attends. Vas-y. Waouh, ils éclairent là. On va même pas faire pipi tranquille là. Ah, ça va être l'heure de la balade en train. Bonjour madame la vache. Tyrolienne, jeu pour enfants, tout ce qu'il faut. Attention départ. Tenez-vous, ça va aller à plus de 200 km/h. Ça va aller comme ça. Regardez la petite locomotive. Voilà, on va rentrer dans la grotte. Bonjour les biquettes. Ah, il y a les grands jeux gonflables. Toujours sur les camions. Ouais. Allez, Jojo et Lily vont faire une course, vous êtes prêts? 3, non, c'est moi qui te donnais. Ouais, c'est pas. Attention à la petite fille. Ouais. Lily en tête. Ah, Lily a gagné. Lily a gagné. Ouais, Lily gagné. Jojo, t'as perdu. Bon alors les gosses, ça vous a plu quand même? C'était sympa, hein? Ah, ça y est, est-ce qu'ils ont pas eu de sucette? Non mais... Moi j'ai rien dit déjà. Ouais, vous êtes malheureux. Ouais, ouais, vous avez dit si on est sage, on aura une sucette. Te plains pas, t'as eu un verre d'eau, c'est bien. Ouais, un verre d'eau, ouais, tu sais, on est gratuit. Il reste des bonbons au bus. Non, mais vous vous rendez compte le travail quand même pour faire la maquette. 55 ans de passion. Ouais. Et ouais. C'était gentil en plus, les gens. Ouais. On voit que c'est des passionnés. Vous avez regardé notre vidéo. Ouais, ils sont allés voir notre vidéo vite fait. Il a commenté sur la maison d'Halloween. Non, c'était pas ça. Non, oui. Je sais plus pourquoi il a dit. C'est là, à la maison d'Halloween. Ouais. Que Jojo, il était habillé avec la faux de la mort. Là. Mais attends, parce que. Ah si, je l'ai juste pas mis en miniature, oui, c'est vrai. Mais je... oui, non, mais rien. Bon, allez, nous, on va reprendre la route, du coup, chercher un petit endroit et pour non, faire dodo. Ah, oh, c'est un calbut, ça va. Mais c'est... Allez, c'est parti. T'as rentré ton t-shirt de... Ouais, du coup, j'ai pas tout filmé non plus au niveau des maquettes hein, pour vous donner l'envie de venir voir hein, quand même. Parce que là, c'est trop facile si on vous spoil le tout. Ouais. Allez, la triche. Une petite magnette de plus. Ouais, petite magnette de plus de visite. Hop. Ouais, à chaque fois, on essaie de prendre les magnettes des endroits quand on y pense. Quoi. San Francisco, non, on n'est pas encore allé. Hein. Non, ça c'était dans le camion à Léa et Dylan. Ouais. Corsica. Bah tiens, nous voilà Pont d'Ouilly. On était venu au festival des extravertis. Même il y avait Billy et Gwen qui nous avaient rejoints ici. Mince, faut que je tourne là. Ah, trop tard. Ah, j'ai loupé. J'ai loupé le tournant. Ah non, c'est plus bas. C'est bon, j'ai pas loupé. Oh bah dis donc, il y a du motard, de la belle bécane. Oh là là, un SRAD, un beau SRAD. Et non, les vieilles motos sont sorties en ce moment. Cool ça. Mignon pour Douilly. Bon là, on était prêts à se garer, regarde, on a trouvé une petite astuce pour voir vers où on penche. Regarde, tu poses le calot, hop, ah bah on sait, là on penche en avant et sur le côté gauche. Bon, du coup, je vais faire demi-tour pour avoir mieux, plus la tête en l'air. C'est vrai qu'on met mieux. Bon, là, du coup, on a fait demi-tour. Qu'est-ce que ça donne? Hop, voilà, on penche. Là, donc, on a la tête en haut.
peut-être à mettre mieux, mais off. On va le faire, on a la tête légèrement en haut. Je devrais pouvoir le faire. Ah, là, je me suis recalé un ch'touille mieux, regardez. Hop. Eh, c'est presque bien. Ah, dis donc. Ah bah écoute, ça va le faire. Ça penche un peu vers là-bas, mais ouais, nickel. Au top. Elle est bien ma, j'allais dire ma boussole, pas une boussole. Mon niveau, voilà, il est bien mon niveau. Bon, finalement, on a bougé parce qu'on était, on avait zéro réseau où on était. Et je discutais avec une dame avec son fils là, super sympa. Et elle m'expliquait ce que je disais, dis donc, c'est vallonné là, ça fait mieux de monter, descendre, machin. Elle me dit, eh ben, c'est normal, hein, vous êtes dans la Suisse normande. Ah, c'est vrai qu'on est en Suisse normande, il paraît que c'est super joli la Suisse normande. Bon, écoute, bah, on va checker si on a des petites choses à voir sympa ici. Hein. Allez, on va essayer aller à un spot qui a 3 km là. Bon, on venait de trouver ça, mais toujours pareil, pas trop de réseau. Et en plus, parking de mairie, ça ne branche pas de ouf. On va essayer de trouver encore ailleurs. J'ai refait un autre truc à 5 km. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Ah merde, si je mets la marche arrière à la place de la... qu'est-ce que je veux dire? Ouais, si je mets la marche arrière à la place d'avancer, on va pas le faire. Bon, alors là, faut que je fasse bien la manœuvre pour ressortir d'ici sans encombre. Il commence à faire presque noir. Bon, allez. On y croit, on y croit. Bon, bah, à force de recherche, on a trouvé, enfin. Parking de salle des fêtes. Vous voyez l'antenne ou pas? Elle est juste derrière les arbres. Là. Là, pas de problème de connexion. Ouais, on est relou avec ça, mais on aime bien voir notre petit film le soir. Puis on aime bien voir notre petite connexion, hein, ma chérie. Voilà, du coup, tu peux mettre un partage. Ah bah voilà, bah, du coup, tu peux mettre un partage. Ouais, c'est pas comme si c'était les jours où il fait beau, machin, truc. Hein. Là, c'est la flotte, alors bon. On fait comme tout le monde. Bon allez, du coup Lily va nous faire des crêpes, des petites crêpes. Ça va être cool ça. On se fera des petites crêpes salées avec la récup aussi. Ça va être nickel. Bon allez, le Gaulois, corvée de crêpes. Bah ouais, hein, c'est comme ça la vie. Et c'est moi qui ai fait la pâte. Ouais, c'est Lily qui a fait la pâte. On s'est allumé comme d'habitude nos petites bougies. Bon, bah, ça avance bien ces petites crêpes là. Chaud, vont être bon toujours. Yeah. Allez, les crêpes sont finies. Bah, la dernière, hein, c'est avec la pâte, c'est la moitié. Hein. T'as vu. Bon, on va regarder un petit film que Léa nous a conseillé, Loup-garou. On va manger les crêpes? Bah, non, on va les jeter dehors. Mais non, mais on va les manger. On va... C'est le repas, on va faire des crêpes salées. Bah, on fait ce qu'on veut, ouais, on fait comme on veut. Il y a plein de trucs de la récup en plus, du fromage et machin, des trucs. Du chouette, du bidule, des tranches de jambon, tout ce qu'il faut. Sérieux, les jeter? Bah non, on donne aux chiens. Ouais, bah oui, non, on jette jamais. Bon, il a l'air un peu loufoque ce film. Oh là là, c'est quoi cette fumée, ma chérie là? C'est Jojo. Tu nous fais une soirée fumée, Jojo? Allez, rentre chez vous. Si tu fais sa petite crêpe, lui, tranquille. Crêpe salée. Il a un peu cramé. Qu'est-ce que tu veux, toi? Donc, c'est un film qui est en fait qui est en référence au jeu Loup-garou, hein. Bien sûr. Oh, ma chérie, tu t'es fait une calzone ou quoi? Celle d'en dessous, elle avait trop chauffé pour pouvoir être pliée, donc... Ah. Ça va, elle se rigole. Oh, Jojo, tu as mangé combien de crêpes, là? Oui. Oui. Et toi, c'est pour tous, ça fait quelqu'un dans mon dos? 300. Allez, vas-y, je te prends Paris. Mais si tu continues, vas-y. On n'en a pas assez. Hein? Ça va me donner des idées. On n'en a pas assez. Bon, il est un peu loufoque quand même ce film. Mais ça va, ça passe. En tout cas, moi j'ai un pouvoir. Ça passe, ça passe. Ça arrive quelque chose, madame. Bon, on arrête ça. On a trois loups à buter, des gamins à ramener en 2024. Avec Jean Reno, comment il s'appelle, Franck Dubosc. C'est bien lui là. Elle, on la connaît pas. Vous venez vraiment. Bon, bah on va finir avec une bonne petite crêpe hein, quand même. Hein. Ça va être bon tout ça.
Regardez-moi cette petite crêpe, franchement. Oh là là. Bon, non, je vous en montre pas plus parce que sinon, vous allez craquer, vous allez craquer. Bon, aujourd'hui, je suis en dep, là. Je suis en dep. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est la dépression. Il y a eu changement d'heure. Comment j'aime pas ça, le changement d'heure, ça m'énerve. Oh là là. Quoi ? Ouais, bah oui, mais je suis vieux, moi j'ai mes petits principes, ma chérie. Et du coup, attendez, j'ai su mon écran qui est sale. Je vais pisser ce matin, je regarde l'heure du bus, à l'horloge du bus. Je vois 7 heures, là-bas. Bon, je me recouche, tout, je me rendors, machin, truc de ouf. Je me réveille avec ma chérie, tout, machin. Je regarde le téléphone, je vois 7h40. Bah, j'y attends. Je me suis rendormi tout le bordel et il s'est passé 40 minutes. Bon, j'ai pas tilté. Ben non, c'est parce que mon téléphone s'était mis à la nouvelle heure, mais pas l'horloge du bus. Donc du coup, en fait, il était 8h40 à l'heure normale. Ouais, mais du coup, tu peux mettre ma montre à l'heure. Et depuis tout à l'heure, je traîne dans mon lit, je regarde mes messages, mes trucs, je réponds aux commentaires, tout le bordel. Je regarde mes TikTok, mes trucs. Et ma chérie me fait, oh, l'ado là, qui reste au lit, là, tu vas te lever. Et je dis, bah ça va, il est 9h, il est même pas 10h. Elle me dit, bah non, il est 10h50. Vous voyez, comme l'horloge du bus là-bas, 10h50. Mais non, en fait, il est 9h50. Ah, ça me saoule ces changements. Et là, ça me saoule pour un truc. Je vous dis pourquoi. Le soir, il fait nuit plus tôt, ça m'énerve. Parce que, voilà, ça m'énerve. J'aime pas. C'est chiant. Pourquoi ta montre, là? Ta montée de brin, là? Bah, change la d'heure, mais là, la bonne heure. Bah, attends, je peux pas faire une main. Je t'ai déjà expliqué comment on fait. Tu tires la molette. Oui, ça, je sais, mais. Et tu mets. Bah, ça sert à quoi? Tu sais pas lire l'heure? Si. Bah, alors. Enfin, je sais pas lire les minutes. Je sais lire les heures. C'est facile, facile. Bon allez, café. Puis après on va aller se balader à la roche d'Ouêtre, je sais pas quoi, la roche d'Ouêtre. La roche d'Ouêtre. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, qu'est-ce que tu nous fais de beau, ma chérie? Bah toujours le sweat à capuche pour Kata, mais la capuche c'est la Kata. Ah. J'arrive pas à faire le contour de la capuche. Et... c'est un que t'inventes ou? Non, bah non, en plus même pas. Ouah, paraît énorme la capuche. Non, elle est pas finie, mais... elle me paraît vachement balèze. C'est une capuche de non, farfadet. Après, tu retrousses comme ça, et tu mets un lien et tu resserres. Mm. Mais non, mais c'est le contour, là, il godille. Ça, ouais, je sais pas. Bien bon, on a une belle vue ce matin, regardez. Belle vue sur les champs. Sympa le jardin du jour. Bon ben voilà du coup où on a dormi, ben nickel, franchement, encore une fois, pas dérangé, bon petit spot pour dormir, parking à salle des fêtes, en plus il y a une poubelle, on va pouvoir y mettre les poubelles, nickel, au top, ben, même le terrain de boule si on voulait, allez restez là les chiens, aura, restez là. Bon voilà, ben sacrée salle des fêtes, il y a la place pour faire la fête là-dedans, ben normal idiot, c'est pour faire la fête. Alors depuis tout à l'heure, on passe que des petits endroits super mignons. Là, on va passer un petit bled qui s'appelait Bréhel. Franchement, c'est joli par ici. Allez, Obélix. Un petit troisième. Une gamelle qui se fait la malle. Allez, mon Obélix. Bon, on est à peine arrivé qu'on s'est fait alpaguer là. Il y a un groupe de touristes là. On a pas mal discuté. Le chauffeur il dit ah j'aurais bien voulu faire ça moi aussi. Allez, on va aller voir du coup les roches d'Ouêtre. Site naturel classé précipice de 118 mètres sans protection. Alors, attention. Allez, on va aller voir ça. Ah ouais, ça a l'air bien haut. Hein. Alors tout là c'est le vide là. Et voilà les roches à visiter. J'ai une petite balade à faire le long des roches là. Voilà, c'est là qu'ils disent qu'il y a 110 mètres, mais bon, on se rend pas compte. Hein. On se rend pas compte là avec le téléphone. Allez, on va voir la suite. Non, faut reprendre le sentier.
a peur du vide ou quoi? Vous avez peur du vide? Oui, on a peur du bruit, non? Et voilà, il y en a qui a laissé sa capsule de bière. Bravo! Il y a des gens là? Bah oui. Oh, sûrement, oui. Il y a un chemin qui longe en bas. En fait, il y a un sentier là qui fait ouais, tout mais tour. Si on du coup, ça veut dire on descend, bah oui, on, fait tout, on longe tout ça et on... Oh, ouais. Aura, viens là. Aura, viens. Aura. S'ils font dans leur grotte là. Oh, les Cro-Magnons là. Moi taper, moi taper. Ah, toi, t'as bien le profil, Jojo. Impeccable. Moi taper, monsieur. Bon, là, les gosses, ils sont en train de nous faire descendre tout ça, là. Qui dit descendre, dit tout remonter. J'ai dit d'aller tout droit et vous avez dit non, voilà. Faites pas trop qu'elle se mouille et tout non plus, elle. Hein. Bon, Aura, viens là. T'es en convalescence, Aura. Ouais, bah, Edith. Ouais, je commence à mon ami. Oui. Il faut revenir. Allez, à la recherche d'une géocache encore. L'indice c'est Multitron. Multitron, ouais. Oui. Ah, Jojo, il a trouvé. Jojo, il a trouvé. Bon, à partir de là, c'est là où ça devient moins drôle. Pour remonter. Oh là là, la flemme. Allez. Ouais. 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 Sauf si tu ne le fais pas, tu n'apprendras jamais, tu ne t'écriras jamais. Ouais, ouais. T'as déjà un coup de chaud, ma chérie? Bah non, Ouais. J'ai pas envie d'avoir le petit café restaurant au milieu de forêt, comme ça, c'est joli. Mignon. Un peu en contre-jour. Je lui fais ça là, et du coup, moi je vais le faire et genre je vais filmer en même temps. Oh bah écoute, fromage de la récup, hein, ça vaut le coup. Bah bon là, petit cassage de croûte de la récup, soupe de la... T'as même pas fini, Jojo? Bah attends. Sérieux là? Dessert de la récup. Rillette de la récup, soupe de la récup. Et fromage de la récup. Et dessert de la récup. Et banane de la récup. Et moi je vais manger une madeleine de la récup. Bon, elles sont un peu... On a encore des gens, hein. Elles sont on a beaucoup de monde qui vient voir Obélix, là. Ouais. On se croirait comme à Cherbourg, là. Bon, bah dis donc, on a eu des fans d'Obélix hein, sur ce spot. Allez, on a repris la route, direction le lac de Rabodange, à 12 km. Il y a le belvédère du barrage à voir, des petits bricoles. On se promène comme d'hab. On découvre le monde. Ah, bah ouais, Obélix, hein, la Suisse normande, ça grimpe. Hein. Ça grimpe. Super mignon ici, le Ménil Hermeï, un truc comme ça. Première fois que je prends à droite ici. Oh là là, bah, il loupait le virage. Mais... Allez, mon Roubaix, on repart. Regarde, t'as encore des admirateurs. À l'entrée de Rabodange, on rentre dans Rabodange, on vient de passer devant le hara et le château de Rabodange. Je peux vous dire, c'était magnifique, super joli. J'ai pas eu le temps de filmer. Ah, regardez les petites ruelles. Obélix, on va y aller tranquille. Voilà, par où il me fait passer lui? 2m20, je passe pas moi 2m20. Merde, on va prendre un autre chemin. Je machin un truc chouette. Ah bah lac de Rabodange à droite. Elle lui faisait passer tout droit, mais 2m20. On va tout arracher. Allez, nous voilà arrivés au lac de Rabodange. Donc là, il y a une entrée pour camping-car où je suis rentré, mais c'était juste. Hein. Et là, on est garé juste derrière là. Regardez les belles bécanes. C'est de même. Ça a l'air. Ah non. Non.
Non, elle ressemble. Alors, là, magnifique, hein. Pot, là, il y en a deux. Waouh, c'est trop belle. Tu commences à chromer et tout. Non, tu veux dire là, il y a deux. Oh, je sens bien la gamelle, là. Vas-y, va plus vite. Non. Tu vas traîner avec cette main-là. Putain, ça glisse bien en plus, hein. Allez, petite balade jusqu'au belvédère du barrage. Baraque mignonne. Hein? T'as dit quoi? Allez, barreau d'ange. Rabeau d'ange, pas barreau d'ange. On y va. Bon. On a déjà vu mieux. Hein. J'avoue. Alors là, ils expliquent un petit peu comment fonctionne. Attends, chérie, comment fonctionne le barrage. Et du coup, ça fait tourner une, un alternateur de 8500 kVA. Je ne sais pas ce que c'est, kilovolts, ampères, je ne sais pas. Bref, là, il y a une phrase qui est marrante là. Je ne savais pas ça quand même. En France, l'énergie hydraulique représente 15% de la production électrique. Ça paraît beaucoup par rapport aux centrales et tout. 15% par l'énergie hydraulique. Bon, bref. Et regardez ce qu'ils disent là. Ici à Rabaudan, chaque mètre cube d'eau produit l'énergie permettant de faire fonctionner un radiateur de 1000 watts pendant près de 10 minutes. C'est, je trouve que ça produit beaucoup parce que 1 mètre cube d'eau, c'est pas beaucoup. Et pour un petit peu, elle est marrante la. Bon, je sais pas, enfin, c'est pas marrant, mais c'est. Ce sont les besoins d'électricité d'une ville comme Falaise qui ont produit par an en moyenne par l'usine de Rabaudange, soit 22,5 millions de kilowattheures. Vous avez vu la ceinture de métal qu'ils ont mis tout autour de la maison là. À mon avis, elle menaçait de s'écarter, de s'ouvrir. Ils ont fixé des plaques métalliques. Qui l'achète? Ils ont fixé des gros boulons qui maintiennent. Ça va, belle vie? Best life, c'est ma. Best life. Vous voyez ce que je vous disais, l'entrée, elle est pas grande. Hein. Quoi? On est synchro, au moment où vous allez partir, ouais. On est parti. Ils ont aménagé une piscine naturelle. Bah ouais, mais là, elle n'est pas en fonction. Ah oui, c'est ce qui est devant, là. C'est sûr. Et oui. Et petit obélix, tranquille. Une Itzis ou un pastis, c'est la potion d'Obélix. Les Gaulois et sa famille pour parcourir le monde entier. Rien ne peut l'arrêter sauf les fossés. Et pour vous rencontrer autour d'un bon chaudron, pour partager de la potion avec du bon sang. Kif ta ratzin, mon père. Oh, oh, oh. Kif ta ratzin, mon père. Faut pas être blessé. Les paysages, t'as le temps de les observer. C'est ça la vie de nomades. Chaque jour un nouveau paysage. Tu ne peux pas t'enlacer. Oh, oh, oh. Kiffe ta racine, mon père. Oh, oh, oh. Kiffe ta racine, mon père. Dans les montées, il ne faut pas être pressé. Les paysages, t'attends de les observer. C'est ça la vie de nomade. Chaque jour un nouveau paysage. Tu ne peux pas t'enlacer.